Une délégation de l'opposition syrienne a été reçue ce mercredi soir au Caire par le ministre égyptien des Affaires étrangères. Objectif, tenter d'obtenir des autorités égyptiennes qu'elles s'impliquent davantage dans la recherche d'une solution au conflit syrien. Pour ces représentants de l'opposition, il y a urgence à reprendre des négociations compte tenu de l'aggravation de la situation sur place. Le récent accord russo-américain pour instaurer une trêve avait suscité de grands espoirs, explique ce membre de la délégation. Cela permettait d'imaginer une reprise du dialogue à Genève. Mais force est de constater que les choses sont aujourd'hui pires qu'avant. Les membres de cette délégation ont insisté sur l'urgence d'un cessez-le-feu afin que l'aide humanitaire puisse être acheminée vers les populations qui en ont besoin. Personne ne peut s'exonérer de ses responsabilités. Il y a des décisions qui ont été prises par le Conseil de sécurité de l'ONU et elles doivent maintenant être mises en œuvre. Idem pour les engagements pris à Genève ou encore à Vienne. Donc nous, on ne demande pas que tout le monde s'aligne sur notre position, on demande seulement à tous de faire des efforts pour mettre un terme à cette guerre. La délégation de l'opposition venue ici sait pertinemment qu'une solution au conflit syrien passe par un accord entre toutes les forces en présence, les forces régionales, mais aussi les puissances étrangères engagées dans cette guerre.